dig. It takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Steve? Wow. Alors moi j'ai vu le film Job, j'ai sincèrement adoré, j'ai trouvé que c'était un film très plaisant qui donne la pêche, qui donne envie de faire des choses, de changer. Ça montre quelque chose qui était extraordinaire à l'époque et qui est devenu banal, c'est qu'aujourd'hui le monde des startups fait partie de notre quotidien, on sait que ça existe, on sait qu'on peut créer sa boîte, mais là on a une des premières startups telles qu'on les connaît aujourd'hui, et en ça c'est une révolution puisqu'on a des jeunes qui s'allient, qui ont une idée, un projet, un financier, un investisseur qui vient et qui les aide à se développer, et en cela le film est fantastique parce qu'il raconte une épopée complète d'une start-up, de la start-up, la plus belle start-up qui n'ait jamais existé probablement dans le monde à ce jour. Et ça raconte cette histoire et ça, c'est fantastique. These are state of the art. Nobody's making anything like this. All right, okay. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me, Borg. Trust me, on my INDEPENDENT. Apple Incorporated went public this morning. Chasing dreams since I was 14. On est tous fait un peu pareil, c'est qu'on n'estime pas prendre un risque quand on crée une start-up. On a une idée, on se lance et on n'a pas la notion du risque. On a la chance, ou j'ai eu la chance, mais plein d'autres ont cette chance. Et Steve Jobs a eu cette chance de faire ça à la sortie de ses études, à un moment charnière entre sa vie étudiante et sa vie professionnelle. Et à un moment où, en fait, on n'a pas grand-chose à risquer, parce que si on se plante, eh ben, on y retournera, retourner travailler chez Atari ou je ne sais où dans le cas de Steve Jobs. Dans mon cas, je serais devenu ingénieur, je ne sais pas dans quel grande entreprise. Mais donc, on n'a pas de sensation. On n'a pas de feeling du risque. On a l'impression de faire quelque chose qui nous plaît et d'avancer dans ce sens et de tout mettre en œuvre pour fonctionner cette chose qui nous plaît. Et en cela, le film nous montre vraiment cette épopée, cette possibilité, à un instant, sans avoir le sentiment de prendre un risque, de créer quelque chose, de partir de rien et de créer, d'inventer, de fabriquer quelque chose qui va rencontrer un public. Alors, on m'a souvent qualifié de Steve Jobs français, c'est un énorme compliment pour moi. J'aimerais bien me reconnaître dans lui, je ne suis pas sûr d'avoir autant de génie qu'il peut avoir. Et puis nous, on est peut-être moins individualiste, on est une équipe, même si je suis souvent leur représentant. Apple, c'est un homme, et puis après, des équipes, là, chez nous, c'est quelque chose de plus consensuel. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out. He's trying to start a war with IBM. Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. I'm trying to build an Apple, and they're taking it away from me? If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent! You are your own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company. Alors je trouve que l'acteur du film ressemble vraiment énormément à Steve Jobs, et puis il le joue, il le dépeint d'une manière parfaite, par exemple dans la manière dont il marche et il se déplace, c'est frappant parce qu'on a vraiment l'impression de voir Steve Jobs. C'est un peu son ombre qui hantait ou qui hante encore Apple, et on revoit cette ombre se promener, c'est avec sa manière particulière de marcher et d'avancer, et c'est vraiment formidable. L'acteur, il joue vraiment Steve Jobs, il est Steve Jobs. 10 years after Steve Jobs' departure, the future of Apple Computer is in jeopardy. In life, you only get to do so many things. We're gonna make Apple cool again. Je pense que Apple a inventé quelque chose qui n'existait pas dans les nouvelles technologies, qui est de dire que le produit, c'est bien qu'il soit fonctionnel, mais en plus, il doit être esthétique et donner envie. Et ça, c'est vraiment ce qu'a apporté Steve Jobs dans sa deuxième période chez Apple, c'est de se dire, on peut faire le plus beau des produits, mais en plus, on peut le rendre esthétiquement désirable. Et pour nous, ça a été une révélation, parce qu'on s'est dit que jusqu'à présent, on faisait tous des box inesthétiques et qu'il fallait faire appel à des grands designers pour rendre une box acceptable, désirable, la trouver belle et au bout faire avancer le produit et sa désirabilité. Et en ça, Apple et Steve Jobs ont apporté au marché quelque chose d'entièrement différent qui n'existait pas. Je pense que sans Steve Jobs, on aurait tous des produits inesthétiques, technologiques dans nos foyers. Et puis l'évolution se ferait peut-être naturellement au bout d'un moment. Mais ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire, un apport révolutionnaire d'amener le design dans les produits électroniques. Here's to the crazy ones.
the misfits, the rebels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. If we're gonna do this thing, we need to come up with a name. Apple. That is so much better than phaser beam computers.